Le 2 mars 2016, disparaissait un de nos grands artistes, mais surtout un homme de valeur qui a grandement contribué au rayonnement d'une région qu'il aimait profondément. En hommage à Jacques Fugère, la télévision communautaire de la région des Appalaches a choisi de vous présenter un document d'archives intitulé « Simplement Fugère ». 4200 toiles plus tard, Jacques Fugère décide de troquer ses pinceaux pour la plume. Résultat, un portrait attachant d'un quartier et surtout d'une rue bien spéciale vers le milieu du 20e siècle. D'ailleurs, pouvait-il en être autrement de quelqu'un qui, en plus de peindre, a passé 30 ans de sa vie à photographier tout ce qui l'entoure? Ah, mon volume raconte naturellement, c'est la vie qui existait en 1930 à 50 à Thetford Mines, dans une section qui est disparue aujourd'hui, la rue Smith et la gare, tout ce qu'on a là, le trait d'union qu'il y avait entre les deux paroisses, Saint-Alphonse et Saint-Maurice. Mais pour mettre ça intéressant, pour faire un petit peu d'une histoire, ben, je raconte un peu ma biographie. Je suis tellement connu, puis ça fait tant d'années que j'ai été élevé dans ce coin-là. Alors, c'est à peu près le résumé du livre. Même s'il a remisé ses pinceaux depuis quelques années, l'artiste peintre et photographe de renom, Jacques Fugère, n'en continue pas moins de brosser des portraits de son coin de pays et de ceux qui l'ont bâti. Des gens simples, mais qui ont une histoire. Une histoire sur laquelle l'auteur a laissé courir sa plume. C'est pas un livre historique, autrement dit, seulement que l'histoire, ça a déjà été écrit. Il y en a déjà des livres de fait sur l'histoire des mines, puis l'histoire de la ville, puis tout ça. Mais moi, c'est l'histoire d'une section de la ville, côté humain, la vie simple des gens simples, des mineurs et de leur famille. Des souvenirs que j'ai mis en récit. Des souvenirs que j'ai gardés en mémoire, des amis que j'ai connus dans ce temps-là, que j'ai voulu mettre dans cette histoire sur la ville en même temps. Tu sais. Ça, c'était deux... On va les appeler les dompes. Okay. C'était deux dompes, deux mines concurrentes, déversait le surplus de l'amiante. C'était pas du surplus de l'amiante, c'est le résidu de l'amiante. Alors, chez la ville, la rue Smith était enclavée entre ces deux dompes-là qui s'avançaient. Et puis, la rue était séparée de la ville. Puis c'était comme un ghetto. C'était notre univers. Puis pour sortir de là, on sortait de là quand on avait besoin pour aller... à l'école ou à l'église. Mais à part de ça, il y avait tellement de... On avait tout ce qu'il fallait pour y vivre. On avait nos restaurants, nos hôtels, nos dépanneurs. Mais comme vous racontez, comme vous venez de me dire, c'était notre univers, mais ce qu'on ressent à lecture du bouquin, c'est que c'était un univers étouffant, non pas seulement dans le sens de la poussière, mais étouffant à plusieurs niveaux. Ben peut-être que je l'ai montré comme ça. On a eu du bon temps. Mm-hmm. On a eu beaucoup d'amis. Parce qu'il y a une centaine de familles là-dedans. Puis avec, comme je dis, une moyenne de 5 enfants par famille, ça fait du monde qu'on ne s'ennuie pas. Hein. Les dompes servaient de glissade, de jeu. On n'avait pas d'arrière-cour. C'était ces montagnes-là qui étaient deux fois puis trois fois la hauteur de nos maisons. Alors, ça faisait des jeux spéciaux. Puis la mine belle, c'était notre terrain de jeu aussi. On allait jouer dans les locomotives. Il n'y avait pas de clôture comme aujourd'hui. Tout était ouvert. Hein. Comme dans son livre, lorsqu'il raconte, Jacques Fugère donne tout à coup l'impression d'être retourné là-bas, dans cette rue Smith dont il ne subsiste presque rien maintenant, sauf des souvenirs. Cette rue qu'il compare à un ghetto, avec ses codes, ses secrets et sa morale. Pour sortir de notre coin, là, on sortait de la rue Smith, on arrivait au coin de la rue.
Ça, c'était la rue Notre-Dame. Il y avait la gare, il y avait un restaurant, il y avait une épicerie, il y avait l'hôtel. Puis là, il y avait un grand bout, là. C'était la côte s'échappe, qu'on appelait la côte Bennett, c'est-à-dire. Là, il n'y avait rien, là. Puis là, on arrivait comme dans un autre village, c'était Saint-Maurice. Alors, tout de suite, là, il y avait une barrière. Les mines étaient là. Sur le côté de la rue de Roy-Saint-Alphonse, il y avait le trestel de la rue de la mine King. Et le train passait au-dessus de la rue pour aller vider leur sable au bout de leur dompe. Puis là, ça faisait une autre barrière, ça. Après ça, il y avait un grand espace libre jusqu'à la rue aujourd'hui, puis 11. Là, c'était vide. Alors, on était comme dans un petit village entre deux gros, entre Saint-Maurice et Saint-Alphonse. Nous autres, on était dans le centre, là. On était dans le trait d'union entre les deux. Et puis donc, avec très peu de contact avec les gens de ces autres villages-là, entre guillemets? Là. Peu de contact, puis c'était dangereux. C'était dangereux aussi, parce qu'il y avait des gangs, là. Les gangs, c'est pas une affaire d'aujourd'hui, ça. Ça existait dans le temps aussi. Puis il était aussi dangereux qu'il n'y avait pas de fusil. Mais il y avait des tire-roches, puis il y avait toutes sortes de... Ah oui, c'était pas facile de sortir. Un type qui allait voir sa blonde de Saint-Maurice, il était assez brave. S'il était difficile d'en sortir, à la lecture du livre de Jacques Fugère, on pourrait croire qu'il était souvent tout aussi difficile d'y vivre. Ça dépend. Il y en a qui diront c'était le bon temps. Okay. D'autres, comme moi, diront « ça aurait pu être pire ». Puis d'autres, ben c'était l'enfer. La religion aidant, la famille grossissait. Nous autres, on était trois. Peut-être qu'on était privilégiés. Ma mère n'était pas une santé très forte. Elle est morte à 45 ans. Mais normalement, 10 enfants, c'était normal. 10, 12, 7, 8, c'était des petites familles. Alors, il y a des places qui c'était l'enfer, tu sais, au prix que... Mais les salaires des mines, ils étaient meilleurs que les salaires en dehors des mines. Parce que dans ce temps-là, à Thetford Mines, hors des mines, point de salut. C'était le travailler pour les faire des commissions ou... Justement, vous dites, puis le sous-titre « fils de mineur », votre père était mineur, mais votre père considérait que vous aviez pas ce que ça prenait pour être mineur. Et là, je reviens, je veux pas absolument pas vous faire dire que c'était pourri chez vous, mais ces passages-là, en tout cas pour moi, m'ont semblé significatifs de votre cheminement pendant un bon bout de temps. Et quand votre père vous dit, à un moment donné... Tu ne seras jamais capable d'être mineur parce que, bon, je ne me souviens plus des termes exacts, mais il énumère toutes les qualités que ça prend et il vous dit en pleine face, tu ne les as pas. Ben, c'est-à-dire qu'il ne les a pas dit, mais il les a fait sentir. Ça se sent, ces choses-là. Parce que mon père, son plus gros défaut, c'était un orgueilleux. C'était un orgueilleux, puis les tétés des bosses, ils n'ont jamais... C'est fait que j'en ai souffert parce que mes grands-pères étaient mineurs, puis tous mes amis étaient mineurs, puis je me sentais à part des autres parce que qu'est-ce que tu veux faire à Thetford à part d'être mineur? Il n'y avait rien, il n'y avait pas grand-chose. Alors, mon père, il m'a ignoré, tu sais. Il aurait aimé avoir un athlète, il aurait aimé avoir un type fort. Orgueilleux comme lui, batailleur ou n'importe quoi. Mais franchement, il a pogné un style artiste. Là, il était un peu déçu, je pense, de son œuvre. Mais remarquez que lui, non, lui, il était quand même pas gros non plus. C'était pas une carrure d'athlète. Vous dites 125 livres, si je me trompe pas. Oui, une chance, parce qu'il aurait été dangereux. Non, je veux pas trop en parler. J'en ai parlé pas mal dans mon livre, mais j'ai parlé aussi que c'était pas un mauvais... Tu sais, il était pas un mauvais homme. Il était aimé de ses amis, puis il était bien plus à l'aise avec ses amis qu'avec sa famille, tu sais, c'est ça.
Alors, faut lui pardonner ça. Mais je pense que dans ce temps-là, les pères, ils n'étaient pas très, très fraternels avec les enfants. Ils subissaient les enfants. Hein. Puis, leur travail, il n'y avait pas de vacances. Il n'y avait pas le samedi après-midi, ça travaillait autant que le lundi. Il y avait le dimanche qui ne travaillait pas, mais il fallait qu'il y ait la messe, puis qu'il y ait l'ovêpe, puis qu'il y ait la leur sainte. Puis, il n'y avait pas grand temps pour. Alors, la boisson aidait. C'est à peu près leur seul. Puis étant donné qu'ils s'étaient défendus, la boisson par la religion, puis par le gouvernement. Ça fait qu'ils s'en faisaient, puis ils étaient trop forts, peut-être, des fois. C'était frelaté. Ça fait que. Il y avait pas mal de. La boisson a fait du ravage un peu dans les familles. Chez nous, ça n'a pas été un drame. Comme je dis, ça aurait pu être pire. Si on avait été douce, là, ça aurait pas été drôle. Non. Et encore un temps, l'enfant qu'il était poursuivra son rêve de devenir joueur de hockey, jusqu'à ce que la vie se charge de lui enseigner que sa place était ailleurs, comme il le raconte avec beaucoup d'humour. Moi, mon rêve, ça aurait été de faire un joueur de hockey comme mon ami Henri, au clair. Mais, si tu veux, j'avais pas de patins. J'ai voulu avoir des patins et on dit que si tu veux faire avec des patins, tu sais pas patiner. Ça fait qu'il n'y a jamais eu. Ça fait... Mais avec les dompes qu'on avait, là, les skis, ça allait bien. Mais on avait les skis, là, ça fait avec les. Ça faisait des belles côtes, tu sais. Je me suis cassé une coupe de filles là-dedans. Mais on avait le patinoire des Filions au coin de la rue Smith. On avait un grand patinoire qui servait à grandeur de la ville. Mais pour aller patiner, là, il fallait gratter la patinoire d'après-midi pour avoir un droit d'aller patiner. Là, parce que ça coûtait 10 cents d'aller patiner. Ça fait qu'on virait nos patins avec à gratter la patinoire. Puis je pense que quand on avait gratté un après-midi, ça ne nous disait pas d'aller patiner le soir. Vous étiez brûlé complètement. Fait qu'on m'a fait jouer du hockey, on m'a installé dans un goal, puis j'ai gelé là-dedans. Avec deux catalogues chez Eaton après les jambes, là, pour faire des pads, là, pour se protéger les jambes. Puis là, ben, ils m'ont installé dans un goal, puis on dit « gâte ça ». Ça fait que les gars me shootaient. Je n'ai pas aimé le hockey. Premièrement, je gelais. C'était en plein air. Hein. Ça fait que ça a été. J'ai dit, moi, on va dessiner. Je pense que j'ai plus de succès là-dedans. Une décision qui, cette fois, lui procurera bien des joies. Suite au début, dans première année, deuxième année, je me rappelle la maîtresse Marceau avait dit, vous allez dessiner la maison chez vous. Moi, je dessine la maison, on n'a fait de rien. Les autres, ils faisaient des cabanes toujours pareilles, tu sais, avec un gros soleil, là. Mais moi, j'ai fait la maison chez nous comme un architecte. Puis là, ben ça, là, tout de suite, là, c'est la première fois que quelqu'un me donnait, me félicitait pour quelque chose, tu sais. Je n'avais jamais été félicité pour rien. Fait que là, j'ai dit, Caroline, s'il me félicite sur le dessin, il va me planter. Fait que... Ça m'a aidé là-dedans, tu sais. Parce que ça s'apprend. Tu viens pas au monde avec ça. Et sans trop le savoir, au fur et à mesure de ses apprentissages, l'artiste était en train de bâtir sa carrière en même temps que les encouragements venaient de partout, ou presque. Peindre, quand il faisait... C'était pour avoir des félicitations. Mon propre plaisir. L'encouragement que vous avez pas eu? Peut-être. Mais je ne m'encourage pas non plus sur ça. Hein. Il dit c'était du barbouillage ou du griffonnage. Là, il dit je te défends de barbouiller après la chaîne. Ah oui, c'était pas mieux. Lui, il était bien meilleur. Il me montrait ce qu'il faisait quand il était jeune. Oh, il était pas mal meilleur que. Moi, ben, je commençais par dessiner des cartoons, là, Mott et Jeff, au-dessus du soleil. Là. Il dit, tu n'es même pas capable de dessiner un portrait qui est beau. Je dessinais la souris Miquette. Mais là, quand j'ai commencé à prendre des cours de peinture avec le frère Ambroise, oh, là, c'était sérieux, là.
Là, mais j'ai un dessin de 1947, 44. Ouais, 44. La ville de Thetford, comme toutes les villes du temps, dans le temps de guerre, Victoriaville, Drummondville, Thetford Mine, on payait un bateau qu'on appelait une corvette. Ça, c'est des bateaux de guerre, ça, qui suivaient les gros bateaux là, pour les protéger contre les sous-marins. La corvette Thetford Mine avait paru sur le journal, puis moi, je l'avais dessinée. Je l'ai encore. Puis je regarde ça, puis j'ai dit, c'était bien fait pour un jeune, mais... Ouais, parce que là, ben, quand une bonne fois, la compagnie Robin Hood, farine de Robin Hood, avait fait un concours, dessiné le fameux Robin Hood. Donc, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, Robin Hood, sur les sacs de... Oui. Fallait dessiner ça, puis il y avait 100 piastres à gagner, tu sais. Ça fait que j'ai dit, moi, me planter. Ça fait que je dessine mon Robin Hood. Frère Ambroise, il dit, j'aimerais ça que tu fasses Robin Hood, parce qu'il dit, si on gagnerait ça, 100 piastres. Je me suis planté un peu moins. J'ai fait le mien bien. J'ai gagné 100 piastres avec le mien. Mais le frère, celui du frère, il n'a pas gagné. Là, il est insulté un peu. Il dit, c'était normal que je me force plus sur le mien. Mais le frère, lui, c'était pour des œuvres du collège, là. Et puis vu que j'étais un élève, là, ben, il dit, on va faire... Puis mon autre copain qui prenait des cours de peinture, Jean-Marie Turcotte, que je nomme pas, là, je nomme Jean-Marie dans le livre, lui, il l'avait fait, le Robin Hood, puis il était bon, lui aussi. Mais lui, il avait rajouté un coucher de soleil autour, puis il avait rajouté un paquet d'affaires que c'était pas nécessaire. Moi, je l'avais fait réaliste tel qu'il était. Ça fait que c'est moi qui ai gagné mon 100 piastres, puis les bonnes œuvres du collège n'ont pas eu rien. Puis la madame qui avait vendu la farine, elle, ça lui donnait 10 % 10 $ Hey, c'était quelque chose pour le petit dépanneur, Mme Grégoire, et gagner 10 piastres. Alors, ces choses-là m'encourageaient à aller dans le dessin. Je jouais du hockey, j'étais pas bon. Fait que j'étais meilleur dans ça, ça fait que... Des talents artistiques qui le conduiront presque par hasard à la photographie, un métier qu'il exercera pendant 30 ans. J'ai été photographe, ça, après avoir eu du succès dans les arts, parce que ma mère, ben là, elle dit, il faut qu'il travaille. Ça fait qu'elle allait faire encadrer mes tableaux que je faisais pour mes matantes, pour les amis. Ceux qui avaient un peu de sens, elle les faisait encadrer, mais elle allait chez au studio Irénée, un nouveau photographe qui ouvrait, puis faisait les cartes. Puis là, elle dit, c'est mon garçon qui fait ça, puis il savait qu'il engageait du monde parce qu'il était nouveau. Là, puis... Fait que elle a donné mon nom, puis elle a dit, tu vas aller là. Puis il t'attend samedi. Ah, ça, c'était terrible, ça. J'étais tellement gêné, sortir de Rue Smith pour aller me donner mon nom aux ateliers René. Là. J'ai été de reculons parce que ma mère a poussé. Mais... ils m'ont fait de faire des tests d'aptitude, puis ça, puis... Là, j'ai passé la journée-là à remplir, à faire des tests de manuels, puis écrits, puis... Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes qui allaient donner leur nom, là, parce qu'ils l'avaient annoncé, je sais pas où. Faut croire que j'ai eu des bonnes notes, parce que le lundi, on m'a appelé. Il avait besoin de moi. Il y avait eu un immense incendie au centre-ville. Les gens avaient photographié, puis là, il y avait un surplus d'ouvrages. Il avait fait beau. Puis là, il y avait besoin d'aide. Fait qu'ils m'ont appelé, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai jamais pris une caméra dans mes mains de ma vie. Puis, si tu veux, je vais le faire là. Fait que là, ils m'ont fait sécher des photos. Puis, tranquillement, j'ai découvert la photographie.
là, ben, j'ai resté là 30 ans. J'ai remplacé le patron. Et le boss est mort. Il m'a donné sa place. Lui-même, il avait un problème de gêne aussi avec les gens, je pense. Puis, il m'a fait remplacer, il m'a donné la place, mais je n'étais plus gêné que lui. Si on exclut cette difficulté d'affronter le public, la photographie semble alors un médium conçu sur mesure pour cet homme réservé et observateur. Quand j'ai découvert qu'on pouvait contrôler la lumière, contrôler la composition, puis là, on pouvait imprimer nos photos, puis l'arranger à notre goût, retoucher, puis ces choses-là, mais j'ai dit, c'est bien moins d'ouvrage que dessiner. Puis là, ben, à un moment donné, la photographie couleur n'était pas encore sur le marché pour les photographes. On photographiait en noir et blanc, puis on colorait. Les premiers photographes, ils teintaient les... mettaient un peu de rouge sur les joues, là, sur les lèvres, là, puis ils teintaient un peu. Puis moi, je me suis mis à... vu que j'avais pris des cours de peinture, je me suis mis à peinturer, disons, peindre ou colorer des photos. Sur pellicule? Non, sur l'image même. Sur l'image, OK. Avec une peinture transparente. Puis là, j'ai développé cet art de colorer des photos. Ah, là, c'était pas drôle. Quand la personne la voit ses épreuves pures, telles qu'on les a photographiées, elle se trouve pas trop à son goût, parce que qui se trouve à son goût? Hein? Puis là, on retouche. Après ça, on met de la couleur. Ah, là, c'était des extases, puis c'était beau. Puis là, ben, je me suis mis à développer ça. Puis là, je me suis mis à faire des conférences un peu partout dans la province, à d'autres photographes. Puis là, ben, pour un type comme moi qui aime ça, se faire montrer ce qu'il sait faire, puis tout ça. Là, ben, ça m'encourageait, puis on voyait grossir, puis grossir. Vous dites que vous aimez ça, montrer ce que vous savez faire, mais en même temps, vous me disiez que vous étiez toujours gêné, toujours en difficulté d'approcher le public, vous me parliez de l'ancien propriétaire. Il y a comme toujours une contradiction, on dirait, chez vous. Il y a comme deux personnes en même temps. Ouais, peut-être là, je te donne cette impression-là, peut-être aussi, mais... aller photographier des mariages là, dans l'église, là, ça, c'est une gêne épouvantable. Quand tu passes par-dessus ça, puis tu es félicité du résultat, bien, ça enlève la gêne. Hein. OK. Puis parce que, mais, si je n'avais pas réussi des belles choses, j'aurais rien fait. Mais il faut que tu les montres. Jacques Fugère s'est d'ailleurs mérité de nombreux prix d'excellence en photographie. Une reconnaissance qui débordait cette fois beaucoup de la rue Smith. Ce qui lui fait dire qu'il n'a aucun regret aujourd'hui, si ce n'est d'avoir assisté impuissant à la démolition de la rue de son enfance. Ouais, j'étais photographe, on m'a envoyé une lettre. L'Hôtel de Ville m'a envoyé une lettre, le secrétaire d'Hôtel de Ville, d'arrêter de photographier la rue Smith. Parce que c'était rendu célèbre. Ça, à chaque fois qu'il parlait de Thetford, il nous montrait la rue Smith. Puis là, c'était pas drôle. C'était pas pire que la rue Champlain, le petit Champlain à Québec. C'est comme si aujourd'hui, tu enleverais la rue du petit Champlain au lieu de l'améliorer, comme ils ont fait. Ouais, ouais. S'ils l'avaient éliminé. Mais là, c'est ça qu'ils ont fait, la rue Smith. Au lieu de l'améliorer, là, puis en faire un coin touristique, ben, on l'a éliminé. Fait que c'est un petit peu... Je le regrette un petit peu. Éliminer ça. Mais il aurait fallu qu'il fasse beaucoup de... Le terrain appartenait à la mine. Okay. Fait qu'il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait, je pense. Et bon, lorsqu'on a décidé, comme de toute façon, je veux dire, comme on parlait aussi, l'histoire un peu a été bâtie de on construit, on démolit ou on transfère. C'est au bon vouloir, ça a été souvent au bon vouloir des propriétaires de mines. Ou... Ben oui, c'est ça, comme je finis mon livre comme ça. Hein. C'est que...
Je ne sais pas si tu as vu la fin du livre. Peut-être qu'on ne la dira pas pareil. Ouais. Ouais. Fait que tout a été disparu, la gare, l'hôtel, les restaurants, les épiceries, des édifices assez gros, comme on appelait le freight shed, où le train arrivait là, puis la marchandise était dans le story, dans le freight shed. On dit ça en anglais. Puis là, il y avait des édifices de trois étages. Où je suis né, l'édifice avait trois étages au coin de Smith. Il y avait le forgeron Blanchette. C'était un petit village qui a tout disparu. Comme si ce regret avait débouché sur l'écriture. En quelque sorte, une façon de reconstruire ce qui avait été démoli. Et dire que lorsque son fils lui a demandé pourquoi écrire un livre, il n'a pas su quoi répondre.